j'ai un sentiment d'une grande responsabilité qui vient de m'être confiée. Je remercie le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie mon parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Je remercie l'Union sacrée, avec qui nous avons eu cette victoire pleine. Je remercie le peuple est-kassaïen qui m'a soutenu. Je remercie la Fédération des Mbujimaï qui m'a accompagné. Cette victoire, c'est une victoire pour tous. Ce n'est pas une victoire d'un camp contre un autre camp. C'est comme ça que je remercie aussi les autres challengers qui étaient avec moi dans la course. J'ai dit à tous, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est rassembler, servir et réussir. Nous aurons besoin et nous avons besoin de tout le monde pour relever ces défis. Parce que cette liesse populaire démontre un grand niveau d'attente et nous devons y répondre. On ne pourra pas y répondre seul, on pourra y répondre avec le concours de tout le monde. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Bien, alors aujourd'hui vous avez réuni 23 voix sur 23 votants, c'est ce que nous disons. Alors vous avez rassemblé. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit dans votre discours campagne, qu'il y aura la cohabitation pacifique entre les institutions et la population? Oui, nous confirmons et nous disons que nous allons travailler dessus. La cohabitation pacifique, c'est un effort de tous les jours. Et nous devons soutenir cela et faire cet effort-là tous les jours pour qu'il y ait un bon climat entre les gouvernants et les gouvernés. Yimbambile ni machani ni kalamatu makujubu bwa kubunvwa bwa kukeba bwa kwanda muna kumashinga abo. Cheni makambile bayantanda.